Bonjour, je suis Sophie Quetteville, je suis libraire à Paris dans le 20e, à la librairie Le Genre Urbain. Et je fais partie du voyage de presse en Estonie à la rencontre d'Andrus Kivirak. Donc le livre s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. Ça se passe un peu à une période indéterminée, mais qu'on associerait quand même plutôt à la période médiévale. On peut dire que c'est une fable philosophique très drôle. Sur l'antagonisme entre un monde ancien qui ne veut pas mourir et la modernité. Et comme on l'a compris en venant ici, en parlant avec les Estoniens ont énormément le sens de l'autodérision. Et donc c'est un livre assez critique sur l'Estonie, sur les Estoniens, sur leur façon d'évoluer. C'est pas forcément un livre totalement politique, mais il y a quand même des choses qui sont dénoncées, et notamment les fanatismes religieux, que ce soit les rites païens d'un côté ou l'évangélisation catholique un peu à outrance que l'Estonie a subi il y a des siècles de ça maintenant. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui lui est un garçon de la forêt, qu'on va suivre tout au long du livre, qui sera un peu le dernier homme de la forêt, ça on le sait très vite, et qui parle la langue des serpents, car il faut le savoir, à cette époque-là, les hommes savaient la langue des serpents. Donc la langue des serpents, c'est une langue que le jeune héros Limette apprend avec son oncle dans la forêt. C'est une langue qui permet de comprendre les animaux et surtout de leur faire faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il suffit de siffler un loup pour qu'il s'arrête et on grimpe dessus pour se déplacer. Les loups d'ailleurs dans la forêt sont des animaux d'élevage qui servent surtout les louves qui servent à fournir le lait. Ça permet d'arrêter net un élan qu'on peut comme ça tuer et dépecer, ça fait le repas du soir. Mais surtout cette langue, si on s'intéresse un petit peu à l'Estonie, et je pense qu'on peut y voir une métaphore de l'estonien. Il faut savoir que le peuple estonien, entre le XIIIe siècle et 1991, a dû être indépendant 22 ans, ce qui fait assez peu. Et le socle de résistance de ce peuple, ça a été la langue estonienne. Donc je pense que de voir la disparition de cette langue dans le livre d'Andrus Kivirak est une métaphore de ce qu'aurait pu arriver à l'Estonien si le peuple estonien n'avait pas tout fait pour conserver sa langue. Donc cette forêt est pleine de personnages un peu fous, un peu bizarres. Il y a notamment des anthropopithèques qui élèvent des loups. Donc il y a des poux. Donc il y a un poux énorme qui adore jouer avec les enfants, donc qui sert un peu d'animal de compagnie à Limette et à sa grande copine Hi. Et voilà, donc ce pou est assez, vous trouverez ça assez savoureux, la description de ce pou. Et puis, il y a les ours. Et alors là, il faut savoir que les ours dans la forêt estonienne ont une passion. Et cette passion, ce sont les femmes humaines qu'ils adorent draguer. Ce sont des ours galants, mais nounours pas fiables. Voilà, c'est-à-dire que la mère du héros elle-même a trompé son mari avec un ours. Et étant découvert, il a juste tranché la tête du père de Limette. Bon, après, vous verrez ce qu'il a fait pour se punir. C'est quand même assez terrible. Et il y a Nounours qui drague la sœur de Limette et qui est quand même mon personnage préféré parce qu'il est absolument savoureux. Donc, quand les éditions Attila m'ont demandé mon avis sur ce livre, ils m'ont demandé de le lire assez rapidement parce qu'ils voulaient avoir l'avis de quelques libraires. Je pense que ma première réaction en les appelant, ça a été d'exploser de rire. C'est un livre, bizarrement on pourrait se dire, voilà, c'est des mythes estoniens, ça nous parle pas, ça a plein de rapports avec l'histoire de l'Estonie qui peuvent nous passer au-dessus. Mais primo, ce sont des sujets assez universels, la lutte contre l'envahisseur, la peur du changement, mais c'est surtout un livre hyper drôle. Mais sur les trois quarts du bouquin, on se bidonne parce que vraiment les personnages, j'ai parlé de Nounours tout à l'heure, mais il y a un grand-père Kudjat, absolument taré, qui vole dans les airs, qui se construit une machine avec des bouts d'ossements humains. Enfin, tous les personnages sont quand même hyper hauts en couleur, en ont tous un petit grain.
et sont très très attachants. Bon, quand ils sont méchants, ils sont vraiment très méchants et beaucoup moins attachants, mais pour le reste, voilà, donc c'est un livre qui se dévore. La fin est assez surprenante, beaucoup moins drôle là pour le coup. On arrive dans du plus sérieux et la conclusion à tout ça, c'est que la vie, c'est pas facile. Hein. Enfin, que de rester attaché et à pas vouloir du changement, etc., ça peut très mal finir malgré tout. Mais c'est vraiment un livre extraordinaire qui se dévore, qui peut se lire à une vitesse pas possible et où en plus on va. Il y a une écriture qui coule toute seule et où en plus on va prendre un plaisir à rire, et des livres qui font rire, au final, il n'y en a pas tant que ça.